Près de 1500 personnes ont défilé au cinquième étage des Galeries Saint-Hyacinthe jeudi pour tenter de se dénicher un emploi dans le cadre de la deuxième édition de cet événement. Il y a près de 700 emplois à offrir, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organismes d'employabilité, beaucoup de gens au rendez-vous. Il y a avoir entre 400 et 500 emplois, mais là, vraiment, on a eu plus de demandes que prévu, plus d'emplois proposés par les employeurs de la région. Toutes sortes d'emplois, c'est très diversifié. On passe de l'agroalimentaire, manufacturier, aux services, restauration. Je pense que de tout pour les gens qui viennent chercher. Le genre de projet sur lequel les designers travaillent, pour faire l'amélioration de notre gamme de produits. Malgré le fait qu'on existe depuis 40 ans, on est une entreprise assez méconnue des chercheurs d'emploi, puis on a beaucoup d'opportunités d'emploi à offrir aux... En ce moment, on a plusieurs postes à combler pour répondre à notre croissance au niveau des opérateurs et des journaliers assembleurs en usine, des postes de jour et de nuit. On a aussi des besoins comme monteurs-ajusteurs, donc des gens qui vont faire la pose de moule sur les presses à injection. Principalement des postes de nuit, chargé de projet, designer industriel, service à la clientèle et technicien en génie industriel. On a fait la publicité dans tout la Montérégie Est, jusqu'à Belleuil, mais aussi jusqu'à Montréal. Forum 2020 a effectivement deux autobus de gens avec les organismes d'immigration de leur territoire là-bas pour venir à notre salon. Mais vraiment, la publicité a été faite jusqu'à Acton, jusqu'à Granby, Drummondville et jusqu'à vers dépasser Belleuil-Sainte-Julie. Donc vraiment, une bonne circulation là, jusqu'à Montréal. Chez Viandes-la-Croix, on manque tellement de main-d'œuvre chaque année que l'entreprise doit embaucher jusqu'à 80 % de ses employés de production à Montréal et les transporter en autobus chaque jour. On fait de la transformation alimentaire, de la viande, poulet, porc, bœuf en grosse partie. L'été, la grosse production, les brochettes. L'hiver, c'est la viande à fondue. 300 emplois, peut-être plus, tout dépendant. On fonctionne avec des commandes, donc plus les commandes sont grosses, plus on embauche en fait. Vous cherchez un emploi dans quel domaine? Nous, on est en transformation alimentaire, donc on reçoit la matière première qui provient des cultivateurs, entre autres les concombres, les piments. On fait des œufs dans le vinaigre aussi. On a des postes permanents, donc présentement, on cherche un cuisinier industriel, c'est un poste permanent. On cherche un commis de bureau administratif là, au niveau des achats, tout ça, production. C'est un poste permanent. Et on a des postes saisonniers, donc on parle d'une dizaine de caristes. On parle d'une cinquantaine de journaliers aussi là, qui vont être appelés justement là, à mettre la main à la pâte là, quand ça va être le temps de recevoir les matières premières. Le salaire est de 17,67 pour commencer. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui est dans l'organisation puis m'annonçait justement là, la nouvelle que semble-t-il que ça va devenir annuel. Donc c'est une super bonne nouvelle parce que l'an passé, on était vraiment déçus de ne pas pouvoir venir. On aimerait beaucoup que ça revienne à chaque année. Ce qu'on va faire, on va vérifier vraiment l'intention, la satisfaction des exposants des entreprises, mais la façon que ça s'organise et les demandes qu'on a eues et tout le long qu'on a fait les inscriptions, on pense vraiment qu'on pourrait refaire ce salon-là ou un salon vraiment très, très semblable à chaque année. Ça va être à valider avec les entreprises et avec Emploi Québec, bien sûr. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.